Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de la marque Dr Pierre Rico. C'est une marque qui existe depuis si longtemps. Moi je me rappelle que j'étais toute petite, que ma mère commandait déjà. Et des petits soldes, donc il y aura des soldes hein, dans cet unboxing. Et aussi ce que j'ai trouvé chez Nocibé. Donc on va commencer tout de suite. Bon, le carton il est là, on va l'ouvrir ensemble. Allez. Un ciseau pour t'aider, au cas où. Ouais, vaut là, mieux vu, parce que. Alors, je vais essayer juste de faire. Voilà, c'est bon. Alors. Dr Pierre Rico, franchement, je recommande parce que je trouve que les produits sont qualitatifs. Après, bon, les tarifs, il y en a qui vont trouver ça un peu. Cher. Non, c'est pas comme ça que j'allais le dire. Légèrement peut-être excessif et d'autres ils vont trouver ça plus ou moins normal, ça dépend de chacun. Donc voilà. Alors voilà, on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des produits au hasard. Donc c'est parti, on y va. Alors là, qu'est-ce que je trouve? Un produit qui est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une essence de beauté sublime élixir. Donc, de 30 ml. Alors, on va l'ouvrir parce que c'est comme ceci. Voilà. Il est comme ça. Donc là, tu l'as payé à 39 € au lieu de 79 €. Ah ouais? Donc ouais. Ça va, là, c'était bien. C'était une bonne réduction. Bien passé, ouais. 39 € on ouais. 79 €. Ouais. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez bien. Ma fille va m'aider au niveau du tarif. Pour cette petite vidéo, donc je l'ouvre et il est comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en avait un, il me fait penser à... Excusez-moi, je me gratouille le nez. Donc, il est comme ceci. Et en fait, je sais qu'il y en avait un qui ressemblait à la même chose au niveau de l'intérieur. C'était chez Kiko, sauf qu'il était légèrement plus grand. Donc en fait, ça donne ça. Tout simplement. Il est vraiment trop beau. C'est de pailleté et tout, ça. Ouais, c'est histoire d'avoir un peu de... Paillère. Du... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Un absolu d'efficacité pour votre peau. Ce soin est enrichi en supragénine, un actif puissant qui stimule la jeunesse de la peau et relance de manière globale la dynamique cellulaire. Voilà, tout simplement. Il faut le mettre. S'utilise le matin seul ou sur votre ou sous votre crème de jour habituelle. Ok. Donc, ça, j'ai pris. Ah, le tarif, 79 € et je l'ai payé 39 €. Ouais. Non, ça va, ouais. Franchement. C'est 40 €. Eh, c'est bien, franchement, trop bien. Donc, ici, maintenant, il faut profiter. Franchement, là, si vous voulez profiter ouais, un peu profiter. Des tarifs assez cool chez Dr Pierre Rico pour tester, si vraiment vous voulez tester, c'est le moment. Donc là, c'est une crème anti-ride SPF de 20 à l'acide hyaluronique et peptide embellisseur de HAL. Moi, j'aime bien toutes ces petites choses-là. Donc là, ils disent Made in France, un 40 ml. Comme ceci. Donc là, tu l'as payé 17,50 € au lieu de 35 €. C'est cool, hein? Ouais. Ah, la réduction est pas mal, hein? Franchement, ouais. Non, je trouve ça bien. Mon perso, je trouve ça bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors attendez, on va essayer de nos soins. Tic 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 tic. Non là, ça va pas être. Ce soin à la texture confort offre une triple action grâce à sa formule enrichie en acide hyaluronique qui lisse les rides et les ridules, peptide embellisseur de HAL qui favorise la synthèse de mélanine, pigment naturel responsable du bronzage et filtre solaire donc qui protège la peau du rayonnement UV. Modéré en ville, test in vitro. Dès l'apparition des beaux jours, appliquez chaque matin l'équivalent d'une noisette de produit sur l'ensemble du visage parfaitement nettoyé. Là et maintenant. La boîte ressemble à ça, elle est l'ouvre. Normal la boîte, moi ouais. C'est plus l'intérieur qui m'intéresse, donc 40 ml. Ah mais il est trop bien. Le pot il est trop bon. Non, ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa. La crème après... elle est un peu pailletée, non? Non, même pas. Non, non, celle-ci elle est pas comme l'élixir que je viens de montrer. Hein. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Donc ici, et c'est un soin lissant cette fois-ci. Autant bronzant visage. Ah, j'avais même pas fait attention que c'était ça. Ah non, c'était pas ça que réellement que je voulais. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, apparemment, c'est un...
Un auto-bronzant visage. Ok, mais c'est un soin lissant en même temps, faut croire. Hein. Au peptide embellisseur de HAL et DHA, un 40 ml. Combien celui-là? Donc, tu l'as payé 10 euros au lieu de 20 euros. Donc, 10 euros en moins. Ouais, 50% quoi. Ouais. La plupart, normalement, c'est 50% à peu près. Hein. Donc, la crème, elle est comme ça. Ok, ouais. D'accord. Ok. Nous avons quoi ensuite? Matin radieux. Donc là, c'est du 15 ml. Et là, c'est, je vais vous dire ça tout de suite, regard jeunesse défroisseur. Effet anti-rides, donc les rides sont lissées. Effet anti-fatigue, le regard paraît plus reposé. Effet tonifiant, le contour de l'œil est plus frais. Et effet hydratation immédiate. En fait, 3 en 1, enrichissant en essine, réputée pour ses propriétés drainantes. Et en Centella asiatica, reconnu pour ses propriétés anti-âge. Ouais, non, c'est cool. Ok, je vais regarder comment c'est à l'intérieur. J'aime bien, moi, le packaging, mais j'aime bien aussi surtout l'intérieur. Hein. Parce que le packaging, j'ai envie de dire, on ne le garde pas forcément, quoi. Il est là. D'accord, nous lui, avons lui maintenant... 7,60€ au lieu de 7,90€. 7,60€ au lieu de 16,90€ ouais. De soins pour les yeux. Ouais. Cool. Donc là, moi, j'en ai pris 2. Ça, là, je viens de réagir que j'en ai pris 2 de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le soin lissant auto-bronzant ouais. Visage. Oh, ça peut être sympa. Ok, d'accord. Ok. Et après, c'est des choses que j'ai eues entre guillemets. C'est même pas entre guillemets. Hein. C'est carrément, oui, je les ai eues gratuitement. Donc, ils disent avec telle ou telle somme. Voilà, par exemple, on a intérêt à 30 euros, ils donnent ça. Puis au-dessus. Voilà. Vous avez compris, à tel ou tel montant, ils offraient telle ou telle chose. Donc là, c'est trop bien parce que c'est une crème de nuit. Essence de beauté, 40 ml. Ils nous disent pas, je crois qu'elle est à celle-ci, elle est à 40 euros, je crois, non? Je crois à peu près. Mais elle est pas, je pense pas qu'elle soit à moins de ça. Donc franchement, c'est cool. Ah oui, c'est cool. Bref, ça, elle est comme ça. Et... Quand, alors attendez, là, je vais regarder juste quelque chose. Un absolu d'efficacité pour relancer 10 clés de jeunesse de la peau. Donc en gros, ouais, ça c'est offert et c'est cool, on va tester, c'est de nuit, hein, vous avez compris, la crème de nuit. En l'ouvrant, l'intérieur, c'est comment? Ils font des beaux packaging en plus. J'aime trop leur packaging, Dr. Péricot. Ils nous font ces packaging magnifiques. Rien à en dire. Alors là, moi, franchement, j'ai rien à en dire. Ça, donc, oui, gratuit. Cool. Oui, après, on a un foulard, tout simple, comme ça. Gratuit aussi. Et on a quoi d'autre gratuit? On a une crème pour les mains, un parfum citron confit. C'est cool, ça. Il y a combien d'ml dans celle-ci? 30 ml. Comme ça. Franchement. C'est bien, franchement. Donc, là, on en a fini pour Dr. Péricot. Maintenant, on va passer à Sephora. Non, c'est bébé. Sephora, non, pas du tout, parce que Sephora, oui, il faut que j'y aille, mais j'ai voulu aller justement parlant de Sephora. Pendant que j'y suis, j'ai fait, en fait, j'ai mis des choses dans mon panier et ça n'a pas marché. Le site, en fait, quand je veux me connecter avec mon adresse mail, parce que j'ai la carte Gold en plus, ça ne veut pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis obligée d'aller en magasin pour pouvoir faire mes soldes et alors que j'aurais préféré qu'un soit... Je sais pas, c'est le mail, il me dit ça passe pas, le mot de passe, je sais pas, j'ai essayé de refaire la chose. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand je marque le mail, quand on veut le marquer, c'est carrément, je crois, il ne le marque pas. C'est ça le pire. Vous savez, à un moment donné, ça va connecter vous. Hein. Je sais pas, ça passe pas. Je veux le marquer, il veut pas. Il veut pas du tout. Donc du coup, ben, au lieu de faire tranquillement sur le net mes petites soldes Sephora, ben non. Je suis obligée d'aller en magasin. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore été. Je verrai quand j'irai, Inch'Allah, hein, tout simplement. Je suis dégoûtée parce que c'était bien, quoi. Je veux dire, c'est cool, on fait ça sur Internet. On... Bref, donc là, pour l'instant, on passe, on verra hein, quand est-ce qu'on fera Sephora, quand est-ce que je dirais. En tout cas, là, j'ai été chez Nocibé, j'ai trouvé 2-3 trucs. Parce que franchement, il y avait rien d'extraordinaire. Nocibé, c'est pas mon magasin numéro 1, j'aime bien, mais c'est pas mon numéro 1. Vraiment, celui que j'aime, mais vraiment, il n'y a pas photo, quoi, c'est Sephora. Donc là, comment dirais-je, j'ai trouvé, pardon, le parfum, c'est Notre Toilette IKKS pour filles, moins 30%. Que j'ai eu dessus, donc au lieu de 33,90€, je l'ai payé 23,73€. Ah ouais. Et moi, ce parfum, je l'aime tellement,
Ah ouais, franchement, je l'aime bien. Il y a Burberry aussi qui est sympa. Il y en a tellement pour les enfants que... Regardez-moi. La couleur en plus, elle est trop belle. Hein. Franchement, trop trop jolie. Ah ouais, trop bien. Je vais le sentir parce que je vais pas vous... Moi, je l'ai pris sans le sentir. Très sincèrement, je l'ai pris sans le sentir. On va faire comme ça. Ouais, je l'ai mis n'importe où. Une odeur magnifique. Elle est agréable, elle passe partout, elle est bien. Ah, c'est super bien. Ouais, j'ai rien à en dire. Franchement, IKKS, là, moi j'aime bien. Franchement, elle est douce, à la fois ça sent, et à la fois c'est doux. En plus, c'est pas une odeur salée, moi je suis plus odeur sucrée, donc là ça va. Je suis plus. Ouais. Non, ça va aller. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est... Moi, IKKS, ouais, c'est un parfum que j'aime bien. Après, chacun ses goûts, hein, certes, mais ce parfum, je l'aime beaucoup, moi, pour les enfants. J'ai pris juste ça. J'ai pris deux produits, après on en aura fini. Alors moi j'ai tenté beaucoup de marques, hein, du Guerlain, du Dior, ce que vous voulez, que ce soit Sephora, que ce soit des produits aussi bourgeois, j'ai mes Maybelline, etc. Hein. Nars. Bref, j'en ai tenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des mascaras, j'en avais un, il était super, quand je vous dis super, quand j'étais partie à l'île Maurice dans l'avion, je me rappelle j'avais fait des, entre guillemets, dans la vie, ils vendaient des choses à cette époque, hein, quand j'avais été avec mon mari. Ça date hein, quand je suis partie à l'île Maurice, il y a plus de 10 ans en arrière. Et ben franchement, j'avais pris un Guerlain, un mascara Guerlain. Mais il était top. Quand je vous dis top, il était top. Je ne le retrouve plus. Peu de temps après, je ne l'ai plus retrouvé. Je le voulais, je le voulais. J'aurais su, j'en aurais pris 50 quoi. Façon de parler, mais c'est dommage qu'on se dise si on sait qu'il va disparaître, autant prendre... Franchement, il était top et j'ai pas trouvé. Donc, du coup, maintenant, j'ai du mal avec les mascaras. Très sincèrement, j'ai du mal. Je sais pas. Je trouve qu'il y en a, ils accrochent pas forcément au style. Il y en a d'autres qui font des tas et des tas. Il faut passer après pour les séparer. Bon, bref, moi, je suis pas trop fan. Donc, du coup, ben, ouais, j'ai tenté plusieurs. Ouais, franchement, j'en ai tenté plusieurs et ça m'a rien fait d'extraordinaire. Du coup, je suis, entre guillemets, je suis pas fan. Je vais en mettre, j'en mets. Ils sont sympas, mais c'est pas les coups de cœur ou quelque chose. Je me dis, waouh, ça m'a fait un truc de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là j'ai tenté ça, je me suis dit je le connais pas celui-là. J'ai pris Kiss and Curl, c'est de la marque Nocibé et c'est un mascara volume recourbant. Ben, on va voir hein, si ça fait volume recourbant, on verra ça. Donc il est comme ça. Il est jaune en fait avec des rayures, etc. Par contre le prix, je ne l'ai plus. Ma fille qui est morte de rire par terre, on ne sait pas pourquoi tu es morte de rire toi. Le prix par contre de ça... Je ne sais pas du tout. Je crois qu'il était légèrement plus de 10 euros, quelque chose. Ça vaut pas cher. Hein. Je n'ai plus le ticket. J'ai pas pris le ticket de caisse, ouais. Désolée pour ça, franchement. Mais en tout cas, il n'y avait pas de réduction là-dessus. Hein. Non, je pense pas que. Il n'y avait pas de réduction. Et ce produit-là aussi que je vous montre, il n'y avait pas de réduction. Il n'y avait pas de solde sur ça. Donc là, c'est une eau micellaire démaquillante apaisante de chez Dior. C'est un 200 ml. Ah, ça, moi, je. Ça c'est mon kiff. Ah ouais non ça me fait kiffer. Franchement j'ai des bons produits. Franchement j'ai des super bons produits de ce style de marque. Et je ressens que comment dirais-je, pourtant moi j'aime toutes les marques hein. Que ça soit les marques de supermarché, que ça soit les marques de, vous voyez ce que je veux dire, des centres commerciaux, de tout, de partout, j'aime bien. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Mais ceux-là, ah là là, je ressens quand même une petite différence quand même, un petit peu, on la ressent. On ressent la supériorité entre guillemets du prix, quoi, on va dire ça comme ça, entre guillemets bien sûr. Donc voilà quoi, moi plutôt, du moins moi je le ressens un petit peu, j'ai bien dit, mais c'est un kiff pour moi, c'est un petit kiff, donc voilà. Donc ça fait plaisir, donc à l'intérieur il est comme ça tout simple. Mais j'aime bien, surtout les eaux micellaires, ouais, des maquillantes mais qui t'apaisent. Ouais, c'est ça, apaisante. Eau micellaire démaquillante apaisante. Celle-là, elle vaut moins de 40 euros, mais elle a plus de 30 euros. Donc, je crois qu'elle est dans les 35 ou 36 euros à peu près. À peu près. Hein. Elle est ovale. Elle est bien. Elle est... Non, franchement, je suis trop contente. Trop contente. Il y avait pour les yeux, mais bon, là, pour les yeux, j'ai envie de dire, j'ai ce qu'il faut. Parce que j'ai du quoi comme marque à la maison? J'ai du Lancôme, j'ai un peu de tout. Donc du coup, même des marques centres commerciaux, etc. Donc ça va, j'ai ce qu'il faut. Mais là, non, j'avais trop envie. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Ces petites choses, entre guillemets, trois petits articles que j'ai achetés, que j'ai trouvés, parce que le reste, ça n'est rien d'extraordinaire.
chez Nocibé, bah voilà, vous a plu aussi. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Bye bye.